Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour le résultat du démoulage, des petites choses que j'ai fait hier avec la pâte durcissante de chez Action. Donc c'est celle-ci. Alors, on va regarder ensemble le résultat. Donc il m'en reste encore un à démouler ici, le petit lapin et le petit cœur. Les autres, je les ai démoulés, donc voilà ce que ça donne. Alors, je vais essayer de vous les montrer de plus près. Donc voilà, j'ai un petit cadre ici, qui est bien dur, hein. J'ai un petit hibou. Et ici, voilà, c'est des petites décos. Enfin, c'est pas vraiment un cadre, hein, mais. Alors moi, j'aime bien, hein, l'effet un peu craquelé ici. Donc ça, après, je l'ai peint. Ou alors, là, celui-ci, par exemple, je pense que je vais le peindre à la bombe dorée. Et j'y appliquerai soit ce produit-là ou celui-ci. Donc pour donner un effet, celui-là, ben, effet métallisé. Et celui-là, qui est un effet bronze. Donc voilà. Alors on va démouler. Vous voyez, c'est très très facile parce que ça part tout seul. C'est bien sec, hein, donc il y a juste à décoller un petit peu sur les bords. Voilà. Hop. Donc voilà le petit lapin. Qui est très choupi. Et alors le cœur par contre c'est beaucoup plus fragile parce que c'est très très fin. Donc j'espère qu'il est bien fait. C'est vraiment ce style dentelle hein, en fait. Hein. À la base ce sont des moules qui ne sont pas faits forcément pour faire ce genre de produit. Ce sont des moules pour les décorations de gâteaux. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Il est très fin. Vous voyez, c'est vraiment très 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 fin. Donc voilà. Eh bien, je pense que c'est tout pour cette vidéo. C'était vraiment la toute toute petite vidéo pour vous montrer le résultat. Alors, si je voulais vous dire plusieurs choses. Déjà, je suis bien sûr retournée chez Action pour rendre le kit aquarelle qui était abîmé au niveau des cadres. Donc, ils me l'ont changé. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. J'ai juste trouvé trois petites choses ce matin. J'ai repris des planches de stickers. Je vais vous les chercher tout de suite. Voilà, donc j'ai pris celle-ci. Ah, le téléphone sonne, et eh ben c'est pas grave, ça se rappellera. Donc ça c'est l'arrière de la page. Soit à 99 centimes. Hein. J'ai pris celle-ci qui était très jolie aussi, dans les tons ocre et bleu. À l'arrière c'est comme ça. Oula, voilà. Je la trouvais très jolie. Et j'ai pris celle-ci, parce que bon, elle faisait un peu printanière. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Donc voilà. Et c'est tout. Ben, c'était l'occasion parce que j'y allais pour rendre quelque chose. Sinon, je n'avais pas prévu de faire des achats. Mais de toute façon, il n'y avait pas de nouveauté aujourd'hui. Hein. Donc Action a eu pitié de notre porte-monnaie cette semaine. Donc voilà, au moins. Je suis désolée, je peux pas trop faire de vidéos en ce moment. Voilà, on m'a demandé des vidéos pour plein de choses. Je suis désolée. Là, je suis en plein boulot pour faire mon dossier pro, mon dossier que je dois présenter à l'oral, sur lequel je vais être interrogée à l'oral. Donc là, c'est cette semaine. Donc voilà, j'ai juste eu le temps de vous faire cette petite vidéo. J'essaierai de vous en refaire une autre à l'occasion.
Et puis, je prends aussi le temps quand même de checker toutes les personnes qui se sont inscrites pour le concours et je ferai bien sûr le résultat du concours mercredi. Merci à toutes pour vos petits coucous pour mon fils. Donc il va un peu mieux, il a repris l'école hier en fauteuil. Mais ça va mieux, il a un peu moins mal. Même si ce matin il m'a demandé du Doliprane parce qu'il avait quand même mal. Donc avant d'aller à l'école. Donc je vous fais de gros bisous à tous, passez une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir!